Salut à tous, Matt ici pour la capsule numéro 3. Une des questions qui nous revient très souvent en tant que coach et en tant que kiné, c'est combien de fois par semaine je devrais m'entraîner? Alors cette question-là, elle dépend vraiment de tout un chacun, mais elle dépend surtout d'autres paramètres que réellement la fréquence de l'entraînement. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que quand vous venez vous entraîner, votre entraînement au niveau physiologique sert à détruire. C'est un mot un peu fort, mais c'est exactement à ça que ça sert. Grâce à l'entraînement, vous allez détruire de la fibre musculaire, vous allez forcer votre corps à faire des choses auxquelles il n'est pas totalement prêt. Et c'est grâce au fait que vous le forcez à faire des choses auxquelles il n'est pas totalement prêt, qu'il va se dire « Ok, si je ne suis pas prêt, je dois m'adapter. » Et en gros, il va devoir trouver des solutions, des mécanismes pour pouvoir s'adapter physiologiquement à la charge d'entraînement, au volume d'entraînement que vous allez lui imposer. À partir du moment où vous vous êtes entraîné, si vous voulez que cet entraînement soit efficace et que votre corps s'adapte, il va falloir lui laisser le temps de récupérer. Pour cette récupération, votre corps dispose de deux outils. Le premier des outils, c'est la nutrition. Il n'y a pas de secret là-dedans, on vous rabâche les oreilles avec ça. À partir du moment où vous donnez à votre corps les éléments nécessaires à sa reconstruction, il va pouvoir progresser. Si la nutrition n'est pas au top et que vous ne lui donnez pas les éléments nécessaires, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième des éléments, c'est le sommeil. Quand vous venez à l'entraînement, vous fatiguez votre corps. Le seul moment où il va pouvoir reconstruire sur la fatigue et la destruction accumulée, c'est le moment où il dort. On pourra en reparler de manière beaucoup plus profonde pour réussir à comprendre les différents cycles du sommeil et à quel moment cette reconstruction se fait. Mais le seul moment où votre corps peut récupérer, c'est quand il dort. Vous avez donc deux outils à disposition pour réussir à récupérer, la nutrition et le sommeil. Donc ce sera l'objet de capsules ultérieures. L'idée que je veux vous exprimer aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous êtes entraîné, vous devez pouvoir récupérer. Il y a un petit schéma tout simple qui vous permet de comprendre ça. On va imaginer que votre niveau basal, c'est la ligne bleue que vous avez ici, au repos. Vous allez vous entraîner, vous allez diminuer votre potentiel. Sur l'axe des Y, ici, c'est votre potentiel. Vous allez diminuer votre potentiel à cause de l'entraînement, du fait de la destruction et de la fatigue. Lorsque vous allez récupérer votre potentiel de base, mais en plus, votre corps va s'adapter. Et donc, vous allez surcompenser. À partir du moment où cette surcompensation s'installe, vous allez progresser, vous allez augmenter votre potentiel de base. Et vous allez attaquer l'entraînement suivant avec un potentiel plus grand. D'entraînement en entraînement, votre potentiel augmentera, votre capacité augmentera, vous serez un meilleur athlète. La récupération fait donc partie intégrante de votre processus évolutif. Si vous ne laissez pas à votre corps le temps de récupérer, il va se passer ceci, vous allez vous entraîner, même chose que sur le schéma du haut, le potentiel diminue, vous ne récupérez pas totalement avant l'entraînement suivant, votre potentiel n'est pas retourné à son niveau de base, vous vous entraînez à nouveau, votre potentiel chute, et vous réattaquez à chaque fois l'entraînement suivant avec un potentiel diminué. Il ne faut pas être bien savant pour réussir à comprendre que ce genre de schéma-là va vous amener inévitablement vers la blessure ou la diminution de performance. Pensez donc vraiment à récupérer, à utiliser les outils à votre disposition, nutrition et sommeil, à pouvoir espacer vos entraînements. Dans le CrossFit, une chose qui fonctionne très très bien, 3 jours d'entraînement, 1 jour off, au maximum. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Instagram, sur Facebook, par message, on est toujours disponible. On se revoit très vite pour une nouvelle capsule. Salut.